Donc, nous allons présenter aujourd'hui un ouvrage que j'avais sous la main il y a deux secondes, qui s'appelle donc l'éducation. Arrêtons les frais, très beau titre, sur l'enseignement supérieur gratuit et où se pose la question de l'éducation par capitalisation en opposition avec l'éducation par répartition. Donc, cette matinale est d'abord, on va demander à David Flachet, qui est professeur à l'Université Paris 13, économiste, directeur du laboratoire du Centre d'économie de Paris Nord, membre du comité directeur de l'IFRIS, chercheur qui a défendu la cause d'une économie pluraliste, voilà, d'une économie qui soit une véritable science sociale et qui ne se prenne pas pour une singerie de la physique. Ça a été ce travail de fond, je pense, sur les sciences sociales est intéressant parce que il va de parallèle avec une réflexion sur l'enseignement supérieur et les effets de structuration de la mondialisation sur l'enseignement supérieur. Donc, il va nous faire la présentation de ce livre qui a donc été rédigé de manière collective. Nous avons quelques auteurs dans la salle. Voilà. Ensuite, David a eu la très très bonne idée d'inviter Gabriel Nadeau-Dubois à mes côtés, donc qui, je lis, est porte-parole de la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, donc qui a été le mouvement qui a bloqué le Québec, c'est ça, pendant un certain nombre de mois, dont on avait beaucoup entendu parler en 2012. On a donc demandé à Gabriel de venir, il a accepté de venir nous parler un petit peu de l'enjeu de l'enseignement supérieur et de son expression politique. Voilà, donc je leur laisse la parole et le débat ensuite sera ouvert à la salle. Merci, c'est bon, merci Rigas. Donc je remercie évidemment l'IFRIS de nous inviter. Je remercie en particulier Gabriel d'avoir accepté l'invitation et d'être venu de si loin pour discuter ici d'un sujet qu'il connaît bien et dont je sais qu'il porte un discours assez passionnant sur la question. Donc c'est très bien qu'il soit là. Alors, lorsqu'on a proposé le titre Éducation par capitalisation, éducation par répartition, Rigas m'a dit ça c'est un titre qui ne va pas attirer les foules. Ça, c'est... Pourtant, le sujet est particulièrement important. J'espérais presque, je lui disais en aparté, que le nouveau ministre, nouveau secrétaire d'État Thierry Mandon augmente les frais d'inscription la semaine dernière, ce qui aurait permis d'avoir une foule délirante dans la salle, mais il nous a pas fait cet honneur-là. Donc, mais je suis sûr qu'au ministère, certains y pensent et continuent à y penser. Donc, on anticipe et on va parler un peu du sujet. Alors, éducation par capitalisation, éducation par répartition, c'est quoi? Alors, l'éducation par capitalisation, c'est nous qui avons, hein, les auteurs du livre dont vient de parler Rigas et dont la liste est ici sur l'écran, qui avons décidé de caractériser l'éducation comme éducation par capitalisation, éducation par répartition. Éducation par capitalisation, c'est quoi? C'est un système dans lequel l'étudiant investit pour payer ses études, un investissement qui comprend à la fois les frais d'inscription, mais également les coûts de la vie et les coûts d'opportunité, puisque l'étudiant en faisant ses études ne reçoit pas un salaire, donc puisqu'il ne travaille pas. Donc investit dans ses études et attend de cet investissement, dans son capital humain, un rendement demain lorsqu'il sera dans la vie active. Donc ça c'est typiquement, alors un des modèles classiques, c'est le modèle de l'enseignement supérieur américain. Et nous on a essayé de réfléchir, je reparlerai de ça, mais on a essayé de réfléchir à ce que pourrait être un système d'éducation par répartition, et on verra bien l'analogie avec le système des retraites sur lequel je reviendrai, qui est un système dans lequel l'étudiant ne paye pas de frais d'inscription mais reçoit une allocation d'autonomie financée par les actifs, alors notamment, pas seulement, ceux qui ont bénéficié de l'enseignement supérieur. Alors pourquoi ce sujet? Ce sujet parce que, en fait, on avait une question de départ qui était de dire comment est-ce qu'on peut promouvoir un enseignement supérieur qui soit plus efficient et surtout moins inégalitaire dans un contexte de massification particulièrement importante depuis les années 60, hein, puisque le nombre d'inscrits dans l'enseignement supérieur a doublé depuis 80, a été multiplié par 7 depuis les années 60 en France, et que le nombre de diplômés d'une classe d'âge est passé de 20% en 1960 à près de
50% aujourd'hui. Et en particulier, la question sous-jacente, ça va être, est-ce qu'il faut continuer à aller dans le cadre, continuer à réformer le système d'enseignement supérieur dans le sens des tendances lourdes qu'on constate aujourd'hui et sur lesquelles, là aussi, je vais revenir. Alors peut-être juste un mot, quand on se pose la question de l'efficience et de l'équité du système d'enseignement supérieur, on est en général aussi amené à regarder le niveau de dépenses. Et on constate que déjà en France, le niveau de dépenses dans l'enseignement supérieur est relativement faible par rapport à la moyenne de l'OCDE et même par rapport à un certain nombre de pays qui, eux, dépensent plus. On est à peu près 1,3-1,4% du PIB dépensé en enseignement supérieur. C'est 1,6% en moyenne au niveau de l'OCDE. C'est 2%, plus de 2% au Danemark, au Canada, aux États-Unis. Sachant qu'un point de PIB, c'est à peu près 20 milliards. Ça donne un ordre de grandeur peut-être du décalage entre la moyenne de l'OCDE et ce qui est dépensé en France. Par ailleurs, puisque un des sujets qui nous occupe, c'est la question de l'accès égalitaire à l'enseignement supérieur, en tout cas une relative équité dans l'accès à l'enseignement supérieur, on a évidemment regardé quel était l'état de l'enseignement supérieur aujourd'hui en termes d'inégalités. Et on constate que les inégalités persistent, voire se renforcent. Il est aujourd'hui, la probabilité de faire des études aujourd'hui lorsqu'on est fils d'ouvrier ou fille d'ouvrier est trois fois, fils de cadre est trois fois plus important que lorsqu'on est fils d'ouvrier. Au niveau plus qualitatif, on constate que les enfants de cadre sont plutôt dans les filières les plus prestigieuses, alors que les enfants d'ouvriers vont être dans des filières beaucoup moins prestigieuses. Les inégalités en moyenne, on les constate aussi dans la dépense par étudiant qui est faite pour leur formation. Les étudiants, si on prend la génération des étudiants nés en 1970, lorsqu'ils viennent des classes populaires, on a dépensé en dépenses publiques 19 000 euros pour les former. Lorsqu'ils viennent des classes supérieures, on a dépensé 31 000 euros. Et si on regarde aussi les filières, ça c'est des chiffres plus classiques que les gens connaissent mieux, mais la dépense moyenne par étudiant est de 9 000 euros dans les universités et en moyenne dans les classes préparatoires de 14 000 euros. Donc on voit bien qu'il y a un problème, d'autant qu'on sait aussi que dans les classes préparatoires, la composition sociale est nettement plus... pèse beaucoup plus, en tout cas dans la composition, les classes favorisées. Alors, quelles sont les tendances lourdes que j'évoquais en introduction ? Alors, les tendances lourdes, d'ailleurs, qui conduisent à des transformations très profondes de l'enseignement supérieur depuis les années 90, d'abord, elles résident dans l'évolution de la conception même de l'éducation, qui est une éducation de plus en plus mise au service de l'économie. On n'est plus dans une logique qui a pu prévaloir, dans une certaine mesure, pas complètement, il ne faut pas être naïf, de l'émancipation, mais on est davantage dans l'idée d'une accumulation du capital humain qui va être source d'innovation, de capacité d'adaptation et donc d'employabilité. On est vraiment dans l'idée que l'éducation va produire des gains de productivité, que ces gains de productivité vont pouvoir être valorisés par l'individu travailleur ensuite. Donc ça, c'est une tendance lourde qu'on constate. Dans les évolutions depuis 20 ans de l'enseignement supérieur. Autre élément, et qui est complètement lié à ça, c'est qu'on va considérer de plus en plus que les bénéfices de l'éducation sont avant tout des bénéfices individuels. Il est pourtant assez évident, et ce n'est pas totalement contesté en tout cas, mais on en parle assez peu, qu'il y a évidemment des bénéfices collectifs à l'éducation, que ce soit en termes de santé. On constate que ceux qui ont fait des études sont en meilleure santé, qu'il y a, dans les pays mieux éduqués, il y a moins de criminalité, enfin il y a tout un tas de choses, au-delà de l'émancipation en tant que telle et de l'accès au savoir. Mais on ne valorise plus, on ne valorise pas, en tout cas dans les travaux en économie, l'idée qu'il y a des externalités positives sur l'ensemble de la société à l'éducation, et on va donc valoriser surtout la dimension individuelle et donc le rendement éducatif à titre individuel. Autre tendance lourde, c'est celle de la marchandisation qui, en tout cas en Europe, s'est pas mal développée à partir des livres blancs de 90 et 95, 90 avec Jacques Delors, donc une ouverture progressive de l'éducation au marché, en tout cas un fonctionnement marchand de l'éducation, au sens strict
en partie parce qu'il y a des transactions marchandes. On va acheter l'accès à l'éducation, on va payer des frais d'inscription, et ça se vérifie très clairement dans certains pays, ou indirectement parce qu'on va soumettre l'éducation aux forces du marché, en particulier aux besoins du marché du travail. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de voir l'évolution de la doctrine de l'OCDE en la matière, puisque dans les années 60, on était dans une logique de plein emploi, où les entreprises avaient besoin d'une main-d'œuvre salariée, etc. Et on donnait comme modèle l'URSS et la France comme modèle de planification de l'éducation qui permettait de massifier l'éducation. Alors qu'aujourd'hui, vous aurez certainement réalisé que ce n'étaient plus tout à fait les modèles qui avaient le vent en poupe, et qu'on était plutôt sur les modèles anglo-saxons de l'enseignement supérieur prôné par l'OCDE, avec une marchandisation et une concurrence. Et enfin, une autre tendance lourde, c'est celle de l'internationalisation de la concurrence, puisque à travers, on le voit dans différents pays, le développement de pôles d'excellence, on a l'idée que cette concurrence doit non seulement se faire au niveau national, elle doit à la fois être un orientateur de la manière dont s'organisent les systèmes d'enseignement supérieur au niveau national, mais également au niveau international. Et évidemment, cette marchandisation renforce l'évolution dont je parlais de la conception de l'éducation, qui est une conception au service de l'économie. Alors, cette logique d'individualisation de l'accumulation du capital humain et de mise en concurrence, de mise en marché généralisée, repose sur un certain nombre d'outils. Il y a un certain nombre d'outils à ces transformations qu'on connaît, mais que je vais reciter rapidement avant de rentrer plus précisément sur la question de la répartition. D'abord, l'autonomie des établissements et une généralisation du New Public Management, donc ce nouveau management public qui vise à faire fonctionner les universités comme des entreprises. Alors, on a eu toute une série d'étapes. En 1999, le processus de Bologne vise à harmoniser les systèmes d'enseignement supérieur qui permet donc de créer un espace unifié d'enseignement supérieur en Europe, et ça va donc permettre d'activer cette concurrence-là. On a aussi ce qu'on appelle en Europe une méthode ouverte de coordination. Ça, c'est la méthode un peu soft, pour dire qu'en fait, on va utiliser les benchmarks, les classements, le chiffre, etc., comme pression sur les établissements qui vont s'auto-inculquer un certain nombre de modes de fonctionnement pour répondre à ces injonctions des classements. Et puis, on crée un certain nombre d'institutions dites d'excellence. En France, on a eu les LABEX, IDEX, EQUIPEX, CAMPEX. Ça, c'est des trucs d'excellence qui ensuite nous permettent de nous battre sur le terrain international. Libéralisation aussi, puisque ça c'est ce qui nous occupe, libération progressive des tarifs, des services éducatifs, au fond voilà, on est dans une logique de services éducatifs, et un mécanisme associé à cette libéralisation des tarifs, donc des frais d'inscription, des mécanismes d'endettement qui se mettent en place, avec un impact probable qui est une polarisation accrue des systèmes d'enseignement supérieur, avec de plus en plus des universités et des établissements d'élite contre des établissements qui, eux, sont particulièrement paupérisés. Il y a des exemples récents aux États-Unis qui sont absolument incroyables d'universités qui sont de pures arnaques, au tel point qu'on est obligé d'annuler la dette des étudiants qui ont été arnaqués parce que c'était fondamentalement une arnaque. Donc on est dans cette logique-là avec des impacts au plan économique. On peut quand même se poser la question, ça fait partie, là on est plus dans l'agenda de recherche, hein, mais on peut se poser la question de savoir s'il vaut mieux avoir un système avec des universités hyper élitistes d'un côté et puis beaucoup moins bonnes de l'autre, et un énorme creux au milieu, ou si au contraire il vaut mieux être un peu comme aujourd'hui malgré tout, en relativisant, mais en France, où on a sur l'ensemble du territoire des universités qui ont accès à des moyens qui sont similaires et qui créent un tissu qui permet une éducation de tous à un niveau en tout cas respectable. Au plan social, on imagine aussi les effets ségrégatifs de toutes ces démarches. Et puis, il y a un impact important de ces tendances lourdes, hein, qui est le développement d'une dette étudiante extrêmement forte, qui a un coût individuel, évidemment, puisqu'il faut assumer cette dette et le coût de cette dette, mais un coût collectif qui est aussi important. Alors, on pourra voir, c'est assez compliqué d'ailleurs de réfléchir à ce coût collectif, mais le plus simple, c'est de voir que, ne serait-ce qu'en défaut de paiement des étudiants et en coût donc du système de subvention des taux d'intérêt, on a des coûts qui sont extrêmement importants, en tout cas de plus importants, et qui font penser
aux États-Unis que la dette étudiante pourrait être la prochaine bulle qui éclatera sur les marchés. On a titrisé cette dette étudiante, enfin, sur des logiques de financiarisation qui sont assez similaires à celles des subprimes. Donc je pense qu'avec ces 1 000 milliards, on va voir ce qui se passera dans les prochaines années. Et évidemment, ce fardeau de la dette qu'on accumule des premières années jusqu'à la fin de ses études a des conséquences, moi je dirais même au plan démocratique, parce qu'à partir du moment où on est asservi par une dette, on n'a plus tout à fait le choix ni de ses études, ni de son métier, ni de ses capacités de revendication. Enfin, en tout cas, nos capacités de revendication sont réduites. Et donc, la dette est évidemment un instrument de domination. Et je pense que là, il y a tout un agenda de recherche à développer là-dessus. Alors, on est un certain nombre à aborder ce projet de recherche en ayant monté un groupe à la fois pluridisciplinaire et pluriétablissement qui s'appelle ACID. Alors là, c'est Hugo qui est dans la salle qui a trouvé ce nom-là. Donc, on lui rend hommage parce que c'était assez bien trouvé pour approche critique et interdisciplinaire de l'enseignement supérieur. Et dans cet agenda de recherche, un premier ouvrage donc, qui est sorti, c'est ce petit livre jaune. Autour d'un certain nombre d'auteurs qui viennent donc de plusieurs disciplines. Alors ce livre, en fait, il est organisé en quatre parties. Là, j'en ai donné quelques brefs éléments en introduction, parce que ça constitue en soi une partie sur les fondements politiques des transformations de l'enseignement supérieur. À la limite, je pourrais vous renvoyer non seulement au livre qu'on a écrit, mais pour ceux qui souhaitent aller plus loin là-dessus, au livre d'Isabelle Bruno, Pierre Clément et Christian Laval, La Grande Mutation, Néolibéralisme et Éducation en Europe. Et puis, il y a trois autres parties. Une qui a constitué à déconstruire les motifs économiques à l'instauration de frais d'inscription. Un autre chapitre sur les expériences internationales, sur lesquelles je ne reviendrai pas, puisque pour le coup, on a l'énorme chance d'avoir Gabriel ici. Et puis, une proposition, qui est une proposition qu'on aimerait mettre en débat, mais qui apparaît de plus en plus décalée sous un gouvernement ça ne devrait pas être si décalé que ça, d'éducation par répartition. Alors, je vais aller très vite. J'en suis à combien de temps, là, comme ça Dizaine de minutes. Je vais quand même accélérer là-dessus. Je vais juste vous repasser très rapidement la critique des trois arguments clés contre les frais d'inscription, parce que je voudrais quand même aller plus sur le modèle d'éducation par répartition. Les trois arguments en général qui sont avancés en faveur des frais d'inscription, c'est d'abord que les frais d'inscription seraient plus équitables, seraient plus efficients économiquement et permettraient de financer l'enseignement supérieur. Aucun de ces trois arguments ne tient. Ok, donc soyons clairs. D'abord, si on se demande en quoi la mise en place de frais d'inscription serait un vecteur d'équité, alors ce qui est avancé par un certain nombre de personnes, y compris à gauche, parfois y compris dans une gauche même, parfois radicale, c'est de dire, attendez, quand même, dans les universités, dans les établissements d'enseignement supérieur, les populations favorisées sont surreprésentées. Donc si vous leur faites l'éducation gratuite, ça veut dire qu'en fait, vous subventionnez les plus riches, puisque en tout cas les plus favorisés qui sont surreprésentés à l'université. Alors, évidemment, cet argument ne tient pas, d'abord parce que, en prenant un exemple simple, c'est que d'abord, dans la plupart des cas, ces frais d'inscription sont mis en place au niveau des universités elles-mêmes. Ce qui veut dire que vous allez avoir des universités, si on prend en France Sciences Po va attirer une élite extrêmement favorisée, va faire payer des frais extrêmement importants. Et qu'est-ce qui va se passer pour les universités qui se trouvent dans des banlieues défavorisées? Il n'y a absolument pas de péréquation envisagée au niveau national de ces frais d'inscription. Donc de là à dire que c'est un système de frais d'inscription même, dépendant du revenu des parents, serait plus équitable dans ces cas-là, ça ne marche évidemment pas. Si on regarde les systèmes de bourses qui sont en général mis en place associés à ces frais d'inscription pour les étudiants défavorisés, ces bourses sont très sujettes aux évolutions des politiques. Et ce qu'on constate par exemple en Australie, qui est un havre des frais d'inscription, et ben là on est en train d'envisager de baisser les aides d'État à ces mécanismes qui sont censés favoriser l'insertion des plus défavorisés. Il n'y a donc pas de péréquation au niveau national. Une aversion à la dette également qui est extrêmement importante. L'endettement accroît clairement les mécanismes de ségrégation qui font que ça peut pas marcher. Et puis, évidemment, ça ne tient pas compte des rendements collectifs, c'est-à-dire de l'intérêt collectif de l'éducation. Je passe très vite. Est-ce que c'est un vecteur d'efficience économique? Alors,
Déficience économique, c'est pour les économistes, hein, surtout particulièrement mainstream, c'est quoi? C'est d'abord une efficience allocative. C'est-à-dire que les étudiants vont bien se répartir. Les bons sont conscients qu'ils sont bons, qu'ils viennent d'un milieu favorisé ou pas, vont aller à l'université payer parce qu'ils savent qu'ils auront un rendement, et les mauvais se diront « je ne vais pas payer puisque je n'aurai pas de rendement, puisque je suis mauvais, donc je ne rentre pas à l'université ». D'ailleurs, on est dans un plein délire, parce que ça ne marche pas du tout comme ça. Efficience productive, parce que là, si vous faites payer, les gens vont être obligés de faire des efforts, ils ne vont pas payer pour rien, donc ils vont faire des efforts, évidemment. Et puis, la concurrence va être l'aiguillon vers des formations qui sont adaptées à ce que souhaite la société. Évidemment, ça ne marche pas non plus. Les travaux de Bourdieu ont largement mis en évidence que lorsqu'on est bon mais qu'on vient d'un milieu populaire, on a tendance à s'auto-censurer. C'est ce qu'il appelle la causalité du probable. On trouve des résultats dans un certain nombre de sociologues dans le domaine. Il y a la théorie de l'aversion relative au risque qui montre que la crainte de déclassement social des individus qui viennent des classes les plus favorisées et supérieures au désir d'ascension sociale de ceux qui viennent des milieux populaires, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas idée de ce qu'ils peuvent atteindre. Donc, pour un ensemble de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre là parce que je voudrais venir à la répartition, ça ne marche pas non plus, l'argument d'efficience, le fait de payer qui induirait davantage d'efforts. Enfin bon, tout ça ne marche pas, ne tient pas la route une seule seconde. Et alors, est-ce que ça permet de financer l'enseignement supérieur? Pas plus. Pas plus. D'abord, si on regarde les chiffres de dépenses par étudiant au niveau international, il y a des pays sans frais d'inscription qui dépensent plus que des pays avec frais d'inscription. Donc là, il n'y a absolument pas de corrélation évidente. Par ailleurs, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que combien l'université pourrait récupérer en termes de fonds publics en faisant payer des frais d'inscription? Relativement peu. C'est-à-dire que ça resterait de toute façon minoritaire dans la dépense par étudiant. Et donc, de ce point de vue-là, ça ne marche pas. Et puis, ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a un désengagement systématique de l'État lorsqu'on met en place des frais d'inscription. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un phénomène de vase communicant qui fait que les universités ne sont pas mieux dotées après la mise en place de frais d'inscription qu'avant. Donc là aussi, je ne reviens pas. Je ne reviens pas non plus sur le fait qu'en Angleterre, on a constaté, en tout cas, il y a des études qui ont été mises en place qui montrent que les mécanismes d'emprunt garantis par l'État coûtent tellement cher qu'ils pourraient coûter plus cher que ce que rapporte le désengagement au profit des frais d'inscription. Donc on est sur un système qui se mord la queue. D'ailleurs, au fond, il faut vraiment se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on met en place des frais d'inscription si, au fond, ça ne rapporte pas tant que ça, et si, au fond, ça peut même parfois coûter plus que ça ne rapporte? Okay, donc, voilà. Et je pense qu'il y a une question politique de fond qui est que les frais d'inscription n'ont pas pour objectif de financer l'enseignement supérieur. Et on revient à la question de l'asservissement par la dette. Hein. Je pense qu'une des clés, c'est d'asservir par la dette les étudiants et les futurs actifs qui seront beaucoup plus dociles une fois entrés dans la vie active. Bon, je passe sur les mécanismes les mécanismes d'accompagnement qui sont les prêts à remboursement contingent qui sont généralement mis en place en même temps qu'on met en place des frais d'inscription pour rendre solvable la population étudiante. On met en place des prêts à remboursement conditionnel. Ces prêts à remboursement conditionnel, en général, c'est je prête à l'étudiant de quoi payer ses frais d'inscription. Et puis, il va rembourser si son salaire dépasse un certain seuil. En général, le seuil n'est pas très haut, ce qui fait que vous êtes obligé de rembourser. Mais c'est une sorte d'assurance. Si par hasard, vous êtes dans une situation difficile, vous n'aurez pas à rembourser. Sauf que, au final, ça reste une dette significative à rembourser sur les étudiants qui ne vont évidemment pas choisir librement leurs études, qui vont se retrouver dans une situation de dépendance par rapport au marché du travail extrêmement forte. Et donc là, certainement qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le débat. Donc, une éducation par capitalisation qui correspond à ces tendances lourdes dont je parlais ne permet ni l'équité, ni l'efficience, ni de financer l'enseignement supérieur. Elle est même parfois coûteuse. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de développer un système qui soit équitable, efficient et qui réponde aux besoins de financement de l'enseignement supérieur ? Qui aussi peut-être réhabilite l'idée que l'enseignement supérieur, l'éducation de manière générale, est un enjeu collectif au moins autant qu'un enjeu individuel. Alors c'est pour ça qu'on a réfléchi à un système qu'on a appelé donc l'éducation par répartition, qui serait évidemment un système d'éducation sans frais d'inscription, avec un financement public par l'impôt des universités. Donc ça, ce serait un premier volet. Un deuxième volet, qui est un financement par des cotisations sociales,
d'une allocation d'autonomie. Au fond, l'idée de la répartition, c'est de donner aux étudiants des conditions d'études et de vie qui leur permettent de se consacrer à leurs études, et pas, comme on le voit, se consacrer, enfin travailler pendant une partie de leurs études, ce qui conduit à une hausse de l'échec scolaire important. Et évidemment, en échange de cette allocation et de ces conditions d'études et de vie favorables aux études, eh ben les futurs actifs deviendront des contributeurs au système et permettront de payer pour ceux qui arrivent dans le système éducatif cette allocation d'autonomie. Donc on est bien dans une logique de répartition où les étudiants d'hier qui sont rentrés dans la vie active payent pour les étudiants d'aujourd'hui qui sont à l'université. Alors, pour vraiment marquer un petit peu, grâce à un schéma, je ne sais pas si ça marquera plus les esprits ou autre chose, mais donc si on prend le système par capitalisation, c'est vous avez une banque qui solvabilise la demande étudiante en faisant des prêts. Ces prêts vont permettre de payer les frais d'inscription à l'université, vont d'ailleurs permettre aux universités d'augmenter sans arrêt leurs frais d'inscription, puisque a priori, par des prêts qui les solvabilisent, il n'y a pas de problème, on va avoir une pression à la hausse des frais d'inscription. Et puis, une fois qu'on est actif, on va rembourser à la banque son prêt, tout simplement. Alors, ça peut être la banque, ça peut être un système public. Le système qu'on propose par répartition, c'est l'État qui va financer l'allocation d'autonomie d'une part, okay, donc, et qui va financer mieux qu'il ne le fait aujourd'hui les universités. Et une fois que l'étudiant est actif, de même que les employeurs de ces étudiants pourront payer des impôts et des cotisations sociales qui vont permettre de rembourser l'État. Alors le volet public, on s'est dit, on va revenir un petit peu à l'idée du service public, avec l'idée d'une égalité de traitement des usagers, de continuité du service, d'adaptabilité, etc., et qui n'est pas du tout garantie aujourd'hui, puisque en matière d'égalité de traitement, on ne peut pas vraiment dire que ce soit ça. Je vous ai donné les chiffres, hein, 9 000 euros par étudiant à l'université par an, 14 000 en classe préparatoire. Donc on a par ailleurs des moyens qui sont globalement en retrait dans l'université française par rapport aux autres pays. Donc je dis, non, là, il faut carrément faire un effort, et notamment un effort en direction des licences, et donc faire en sorte que le niveau de dépenses par étudiant soit le même en classe préparatoire et à l'université. Donc il y a un différentiel de 5 000 euros entre les 9 000 et les 14 000. Donc on s'est dit qu'on allait proposer 5 000 euros de plus par étudiant, ce qui nous fait en fait un coût de 5 milliards. Nous, on n'hésite pas. Hein. 5 milliards d'euros supplémentaires à trouver dans les caisses de l'État. Mais d'une certaine manière, quand on voit que le gouvernement a décidé de faire des cadeaux fiscaux pour un montant de 40 milliards, ça crédibilise presque notre démarche, puisqu'il suffit de regrignoter sur les 40 milliards pour financer toute une partie de la réforme sans quasiment faire aucun effet. Bon, je plaisanterie mise à part. On trouverait ces 5 milliards à travers l'impôt. Okay. Ça, c'est le premier volet. On finance mieux les universités, on permet un suivi plus important des étudiants, on met en place des années propédeutiques, voilà. Et donc, on a des vrais moyens pour les universités. 5 milliards, ce n'est pas gigantesque. Hein. Donc, on peut trouver une somme. Ouais. Par comparaison, hein, le plan licence de Pécresse, c'était aux entours. Il y avait quelques centaines, 200 millions, 300 millions d'euros. Enfin, c'était tout petit. Donc, évidemment, ça n'a eu strictement aucun effet. Hein. Un volet protection sociale ensuite, donc c'est l'allocation d'autonomie. Et donc là, on rentre dans une logique, la logique française de la protection sociale, de la sécurité sociale, avec l'idée d'une branche ou de compléter une branche de la sécurité sociale. On accorderait sans condition à tous les étudiants admis dans l'enseignement supérieur, sans condition de ressources, cette allocation d'autonomie qui couvrirait l'ensemble des dépenses courantes et qui ne dépendrait que d'une seule chose, de savoir si l'étudiant est logé par ses parents ou pas. C'est donc un financement par une solidarité intergénérationnelle. Intergénérationnelle, donc qui est complètement différent du financement direct d'un système par capitalisation où on va emprunter et payer des frais d'inscription. Et c'est d'une certaine manière, ça symétrise le système actuel de protection sociale où aujourd'hui vous avez des actifs qui payent pour les retraités, donc pour les anciens actifs. Là, on aurait des actifs qui paieraient aussi
pour des futurs actifs, c'est-à-dire en amont les étudiants qui sont à l'université. Alors, avantage de tout ça, ça permet évidemment de valoriser dans le choix des formations et des études, des critères non pécuniaires, des choix plus libres de parcours. On conçoit évidemment dans ce cadre-là l'investissement éducatif beaucoup plus, ou quasiment exclusivement, comme un investissement collectif qui a des retombées avant tout sociales que comme un investissement... Oui, tu me presses déjà. Ouais, je vois. Investissement individuel, ça favorise évidemment la poursuite d'études, c'est moins sensible aux conjonctures que les systèmes par capitalisation, c'est potentiellement beaucoup plus équitable, du moins si on met en place un système de fiscalité progressif, et c'est même contrat démographique, puisque en gros, lorsque la population vieillit, qu'il y a moins d'étudiants, on va certainement payer plus de retraites, mais moins d'allocations d'autonomie. Inversement, si on a une population qui devait rajeunir, ce n'est pas encore tout à fait le cas, on paiera moins pour les retraites et plus pour les étudiants. C'est un système équitable parce que d'abord, il offre une certaine égalité des chances en offrant ses conditions de vie et ses conditions d'études, de bonnes conditions d'études pour tous. Je l'ai évoqué, mais juste pour vous donner un chiffre, selon l'Observatoire de la vie étudiante, la moitié des étudiants travaillent en parallèle avec leurs études. Pour 68% d'entre eux, c'est un travail qui n'a absolument aucun lien avec leurs études, et on constate que ça a un effet d'une diminution de 40 points du taux de réussite sur ces étudiants-là. Alors ça dépend évidemment du taux de nombre d'heures travaillées par semaine, mais il y a un effet significatif sur la réussite des étudiants. Donc ça peut être équitable du point de vue contributif, puisqu'on peut avoir une fiscalité nationale progressive avec une péréquation entre établissements et entre territoires. Et également, en affranchissant les étudiants de la dette, ça leur permet là aussi de choisir plus librement leurs études. Alors, on nous a quand même, évidemment, on a réfléchi quand on a réfléchi au sujet, et ça c'est peut-être ce qui fera le plus débat, c'était de se dire, si on met en place ce système, il y en a plein qui nous disent, bon d'abord c'est extrêmement coûteux et c'est pas réaliste, bon, on a montré que ça pouvait l'être et on a fait un certain nombre de calculs sur lesquels je reviendrai éventuellement dans la discussion. Vous avez dit aussi, voilà, il y a des gens qui vont s'installer dans le système pour en profiter, ad vitam aeternam, ça n'a pas de sens, il y a de l'aléa moral, de l'antisélection, enfin, on nous a sorti tous les arguments. Évidemment, ces arguments, on y a réfléchi. D'abord, on pense qu'il faut limiter l'antisélection, c'est-à-dire la capacité d'étudiants entrant dans le système de choisir s'ils veulent ou pas participer au système. Parce qu'on pourrait très bien avoir des étudiants brillants, issus de familles extrêmement favorisées, qui disent « Attends, moi, je ne veux pas participer au système », de manière ensuite, dans ma vie active, à ne pas le financer. Non. Nous, notre idée, c'est que c'est un système obligatoire. C'est-à-dire que cette allocation d'autonomie est donnée à tous, on n'a pas le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter, et donc c'est une sorte de contrat social. On a cette allocation d'autonomie, et derrière, on fait partie d'une société, et même d'ailleurs, si on part à l'étranger, on continuera à payer des cotisations sociales et des impôts qui sont liés au financement de cet enseignement supérieur. Évidemment, comme l'objectif est de permettre aux étudiants de faire des études sereinement, ils ne peuvent pas avoir d'autres activités rémunérées et il y a des conditions d'assiduité qui sont évidemment indispensables. On pense aussi qu'il faut qu'il y ait un minimum de réussite aux études. Alors, il faut absolument penser des droits à l'erreur, des possibilités de réorientation, des chèques partiels, etc. Et on ne peut pas se permettre, après, dans quelle mesure, on le verra, on ne peut pas se permettre d'accepter des étudiants, effectivement, ad vitam aeternam, qui n'auraient jamais rien réussi et rien fait dans le système d'enseignement supérieur. Une information beaucoup plus poussée sur les débouchés, parce qu'on constate que dans les classes défavorisées, c'est une question essentielle de savoir quels sont les débouchés des études, quels sont le panorama des études qui existent et ce qu'on peut faire après. Une question qui est sensible, y compris entre nous au sein du collectif, parce qu'on n'a pas d'avis tranché, je crois, il y en a qui ont des avis tranchés, il y en a qui n'ont pas d'avis tranchés, mais enfin bon, sur la question de la sélection des étudiants. Bon, parce que en gros, pour que le système marche, mon point de vue, c'est que soit il faut s'autoriser au moins une micro-sélection, pas forcément une sélection extrêmement pointue, mais qui est une sorte de petit filtre,
soit il faut vraiment avoir des conditions de prorogation de l'allocation d'autonomie qui soient suffisamment fortes. Et donc là, on a pensé l'idée d'une commission d'orientation qui pourrait se faire au niveau des établissements ou des rectorats, enfin bon, tout un tas de choses sur lesquelles on pourra là aussi revenir. Et puis voilà, on a chiffré, alors un mot sur les chiffres, tu me laisses une minute sur les chiffres. Une minute sur les chiffres, donc... Ouais. Tu me laisses une minute, c'est ouais. Sympa, je te la rendrai après. Donc le chiffrage, plus 5 000, pas 500, hein, il y a une petite erreur, plus 5 000 euros par étudiant et par an en premier cycle, donc ça fait 5 milliards d'euros. L'allocation d'autonomie, évidemment, on a considéré qu'elle ne pouvait pas être en dessous du seuil de pauvreté, qui est aux alentours de 950 euros, qu'elle devait être plutôt plus proche du SPIC net. Donc on a fixé une allocation d'autonomie qui serait à 1 000 euros par mois et par étudiant lorsqu'ils n'habitent pas chez les parents, 600 euros par mois et par étudiant lorsqu'ils habitent chez leurs parents. Le coût de la mesure serait donc lorsqu'on récupère toute une série d'aides, parce qu'évidemment on refond toute une partie du système, il y a des ALS, des APL, des aides fiscales, etc., qui représentent à peu près 5 milliards d'euros qu'on récupérait. Le coût net de cette mesure serait de seulement 19 milliards d'euros. Attention. Donc 19 milliards plus 5, on en est à 24 milliards d'euros. 24 milliards d'euros à financer. Alors comment est-ce qu'on pourrait les financer ? Le volet service public, donc les 5 milliards par l'impôt. Donc on a fait des simulations hein, de transformation du barème de l'impôt sur le revenu en le rendant plus progressif, plus ou moins progressif. Et puis pour le volet allocation d'autonomie, on pourrait l'envisager par soit une branche de la sécurité sociale, soit une hausse des cotisations de la branche famille qui ont été complètement reniées par le dernier pacte de compétitivité que le gouvernement a mis en place. Mais disons qu'avant qu'il ne le touche, il y avait 5,4% de cotisations, les passant à 8,5%, nous arrivons aux 19 milliards dont on a besoin. Alors on a fait tout un tas de simulations sur l'impact que ça avait sur les familles favorisées, défavorisées, en fonction du nombre d'enfants, du nombre d'années d'études. Évidemment, il y a un certain nombre de familles pour lesquelles le bilan est négatif. Évidemment, il faut bien les financer, c'est 19 milliards. Mais pour un grand, grand nombre de familles, c'est extrêmement positif. Et en tout cas, pendant la période des études, c'est extrêmement, extrêmement favorable. Voilà, je vais m'arrêter là et ne pas rentrer plus dans le détail sur les chiffres. Alors, parce que je pense qu'il faut écouter Gabriel aussi. Merci. Merci David, merci Ridas, merci tout le monde. Merci de m'avoir invité à parler ce matin. J'ai reçu le livre il y a quelques mois au Québec grâce à un ami ici, un livre que j'ai beaucoup apprécié. Une belle contribution, une belle synthèse aussi de beaucoup de choses qui se sont écrites, qui se sont faites dans les dernières années sur la question des transformations de l'enseignement supérieur. Ma contribution devant vous ce matin va se produire en deux temps. Je vais commencer par souligner, je dirais en fait commenter certains aspects du livre et de la présentation de David, puis par la suite faire une contribution plus originale sur les transformations que nous on observe en Amérique du Nord des universités, puisque c'est de là dont beaucoup de ces logiques originent, comme le disait David dans sa propre présentation. Donc, quelques commentaires comme ça en vrac. Tout d'abord, sur la question de... J'ai trouvé assez intéressant le concept qui a été développé par le collectif autour de l'idée donc d'éducation par capitalisation. Je trouve que c'est une très belle manière de synthétiser la nouvelle... Bon, évidemment, la logique de l'augmentation des frais d'inscription, mais plus largement, le projet de transformation des universités dans lequel cette augmentation des frais d'inscription s'inscrit. Il faut comprendre à quel point, lorsque, par exemple, le gouvernement libéral au Québec, en 2012, a voulu donc procéder à une augmentation de 75 % des frais d'inscription, à quel point c'était cette logique-là qui imprégnait l'ensemble du discours gouvernemental et les gens qui appuyaient le gouvernement, et d'ailleurs, autre aspect intéressant, qu'ils soient de gauche ou de droite, hein, puisque, et ça, j'ai trouvé que c'était également une contribution originale, puisqu'on on ne mentionne pas assez souvent, en tout cas de notre côté de l'Atlantique, à quel point il y a quelque chose de pernicieux dans l'argument qui soutient que, puisque les enfants provenant des classes supérieures sont, disons, surreprésentés au sein des universités, bien que ce serait donc une mesure
progressiste, une mesure de justice sociale, que de les faire contribuer davantage. Et cet argument-là, il est pernicieux parce qu'il... Il marche, mais son point de départ, c'est le problème, et non pas la solution. Le problème, c'est que les étudiants des classes supérieures sont surreprésentés. C'est pas la solution. On devrait pas baser nos politiques publiques en prenant ce fait-là comme un état de fait indépassable, mais plutôt comme un problème auquel il faudrait trouver des solutions. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était une belle contribution. Troisième élément que je voulais souligner, David a parlé d'efficience allocative. Hein? Puis ça, c'est un élément très important aussi dans le discours des gens qui mettent de l'avant une augmentation des frais d'inscription. C'est-à-dire, l'argument est assez simple, c'est de dire si on installe des hauts frais d'inscription, bien, ça crée une pression, puis ça force les étudiants, en fait, les étudiantes, à faire des choix plus rationnels. Hein? Des choix plus rationnels. Donc, l'argument, c'est de dire les bons étudiants vont avoir tendance à prendre le risque puisqu'ils se disent « je suis bon, donc je vais avoir un rendement sur cet investissement », et les mauvais, ceux qu'on appelle les mauvais étudiants, feraient le même calcul, mais arriveraient à une conclusion différente en disant « non, moi, je ne prends pas le risque, je préfère ne pas aller à l'université ». Ce qui est intéressant quand on regarde le système universitaire américain, c'est qu'on constate à quel point, loin d'avoir donc instaurer des logiques comme celle-là, loin d'avoir rendu le système universitaire américain plus efficace, l'explosion des frais d'inscription à laquelle on assiste aux États-Unis depuis, disons, 30 ans, a eu l'effet contraire. On a assisté à l'émergence de phénomènes de corruption académique sans précédent. Je vous réfère notamment aux travaux de Howard Hudson, qui est un chercheur britannique, qui s'est penché sur un phénomène assez particulier au sein de la Ivy League, c'est-à-dire l'espèce de famille de grandes universités sur la côte est américaine, dont Harvard et compagnie. Les universités, donc, qui nous sont sans cesse citées en exemple comme les meilleures universités du monde. Et le phénomène auquel Hudson s'est intéressé, c'est à une dynamique d'augmentation constante des moyennes des étudiants. S'est rendu compte qu'il y avait une corrélation significative entre l'augmentation des frais d'inscription et l'augmentation des notes. Est-ce que c'est parce que le niveau intellectuel des États-Unis est en hausse vertigineuse depuis les dernières années? Je pense qu'on peut en douter. Ce que Hudson soutient au contraire, son hypothèse, qui me semble assez valable, c'est que le phénomène d'augmentation des frais d'inscription crée des mécanismes de clientélisme où les étudiants et les étudiantes, puisqu'ils payent des sommes faramineuses pour être assis dans les classes, réclament en échange un retour sur leur investissement qui se fait sous la forme non pas seulement du diplôme, mais même durant le parcours de meilleures notes, puisque, comme on le dit souvent, en tout cas par chez nous, le client a toujours raison. Et donc, par définition, le fait qu'il y ait des très hauts frais d'inscription crée un rapport très différent entre l'étudiant et l'institution, entre l'étudiant et le professeur. Et donc, loin d'avoir un phénomène d'efficience allocative où les gens qui sont meilleurs prennent des risques et ceux qui sont moins bons prennent moins de risques, on a en fait un phénomène dans lequel, tout simplement, si tu es assez riche, tu es capable d'aller à l'université et ça te donne même un argument pour obtenir des meilleurs résultats. Donc, ça encourage absolument pas les gens qui sont bons. Ça fait tout simplement sélectionner les gens selon leurs revenus. C'est tout. Donc, ça, c'était l'élément que je voulais ajouter pour commenter parce que je trouvais que ça permet de bien renverser cet argument-là sur l'efficience allocative. Maintenant, je vais ajouter quelques éléments de réflexion à la présentation qui a été faite, puis au livre. Et je vais, comme j'ai déjà commencé à le faire, me référer beaucoup à l'exemple américain. Hein, parce que, bon, je ne connais pas l'état du débat ici en France, mais pour parler pour chez nous, il faut savoir qu'au sein de la classe politique, même au sein, je dirais, de l'élite médiatique au Québec, les universités américaines sont constamment citées en exemple, comme des modèles de ce qu'on appelle l'excellence universitaire. Et même, je dirais, chez des gens qui vont adhérer à la pensée critique, des gens de gauche, il va y avoir toujours une adhésion presque inconsciente à cette idée selon laquelle il y aurait des très grandes universités aux États-Unis qui seraient des modèles d'excellence académique et intellectuelle incroyable. Et donc, on devrait faire de ces universités des modèles à suivre
dans la manière dont ils s'organisent, dont ils pensent, et l'éducation supérieure. Et donc, ça me semble intéressant de prendre le système américain littéralement comme un contre-exemple de ce que doit être un système, de ce que doit être un système d'éducation supérieure, et toutes les transformations qui sont décrites dans le livre, qui ont été décrites par David, et elles originent, ces transformations-là, des États-Unis. C'est pour ça qu'à un certain point, durant la mobilisation étudiante en 2012, contre, au Québec, donc, contre l'augmentation des frais de scolarité, on parlait littéralement dans les médias on parlait d'américanisation des universités québécoises, et c'était un élément de discours important dans notre discours public de dire on refuse cette tentative d'américaniser les universités québécoises. Et je trouve qu'il y a dans cette idée-là, donc d'américanisation des universités, une idée intéressante pour peut-être aller chercher l'appui parfois de parties de la population qui seraient moins réceptives moins réceptives à d'autres types d'arguments. Comme je le disais, un des éléments forts de ce discours-là, c'est de présenter les universités américaines comme des universités qui ont d'excellentes réputations. Hein. On va même parler de valeurs réputationnelles des établissements pour dire qu'ils sont des exemples à suivre. Alors que dans les faits, et je vais finalement commencer, mais dans les faits, on se rend compte que c'est un système universitaire qui est dans un état de décadence et de décomposition assez impressionnant. Et le problème, donc, c'est que cette logique-là, elle continue à s'étendre. Au Québec, on sent déjà l'effet de ces transformations-là. Il y a eu, donc, la tentative d'augmenter les frais d'inscription, tentative qui a été bloquée, donc, par une mobilisation étudiante, mais il y a toutes sortes d'autres transformations qui sont beaucoup plus pernicieuses, qui sont beaucoup plus souterraines et qui, elles, commencent à être réellement implantées au Québec. Évidemment, la barrière de la langue nous aide quand même à résister à cette transformation-là par rapport à nos voisins du Canada anglais qui, eux, pratiquement ont littéralement fait un calque du modèle universitaire américain. Quelles sont donc ces tendances lourdes et mesurables qui originent des États-Unis? Bien, j'en ai sélectionné trois. C'est un peu arbitraire, mais ça me semblait être trois phénomènes qui couvrent un peu ce que j'essaie d'évoquer. Le premier, donc, de ces trois phénomènes, c'est un phénomène, et ça va peut-être vous surprendre, mais de bureaucratisation très importante des universités. David a parlé de New Public Management. Vous connaissez le discours qui cherche à justifier ces pratiques-là. On nous dit que ce sont des pratiques importées du secteur privé et donc nécessairement beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficientes. Et on nous dit là, en instaurant des pratiques du secteur privé, notamment des frais d'inscription, mais aussi toute une série d'autres mesures plus administratives, on va faire de nos universités des universités beaucoup plus performantes, beaucoup plus efficaces. Même, et ça va être un argument qui va être utilisé à gauche d'ailleurs, je ne me rappelle plus quel ministre là, vous citez dans le livre qui parle justement de ça en disant qu'il faut que les universités deviennent un centre de coûts et de calculs. Mmh. Bon, en tout cas, vous connaissez ce discours-là, je ne vais pas l'expliquer en long et en large, mais ce qu'on regarde, et quand on constate dans les faits, objectivement, ce qui se produit, on se rend compte qu'au contraire, la tendance à l'augmentation des frais d'inscription est directement reliée à une explosion de la bureaucratie à l'intérieur des universités américaines. Le meilleur exemple, c'est celui de l'Université Berkeley, en Californie, qui, au Québec, est une de celles qui est sans cesse citée en exemple comme un modèle d'excellence, notamment en recherche. Hein? Et quand on regarde l'Université de Berkeley, où évidemment, comme dans toutes les grandes autres universités, les frais d'inscription ont explosé dans les dernières décennies, eh bien, depuis 1996, le nombre de cadres dans l'université a augmenté de 259%. Parallèlement, le nombre de professeurs a augmenté de 1%. Quand on regarde au Québec, à l'Université de Montréal, depuis 1997, la part de la masse salariale qui est accordé au personnel de direction et de gérance, a augmenté de 83%. Parallèlement, la part de la masse salariale, donc, dédiée aux professeurs, a diminué de près de 5%. Et là, j'ai choisi deux exemples, donc un aux États-Unis, un à l'Université de Montréal au Québec, mais ce sont des phénomènes qui se mesurent partout en Amérique du Nord. Plus les universités importent des pratiques du secteur privé, notamment des hauts frais d'inscription, plus il y a une inflation bureaucratique importante. Et ce n'est pas très, très dur à savoir pourquoi. Quand vous, je
quand vous tenez absolument à paramétrer, mesurer, quantifier chacune des opérations dans une institution comme l'université, bien ça, ça prend des ressources. Parce que étudier l'efficacité, ça prend des ressources qui ne font qu'étudier l'efficacité puis qui ne sont pas en train de faire d'autres choses. Et donc, loin d'être des universités efficaces sur le plan de l'allocation des ressources, les universités plus marchandisées, et ça, je le répète, c'est des choses, c'est des phénomènes qui sont mesurables, sont des phénomènes qui, au contraire, gaspillent une quantité importante de ressources dans simplement la mesure constante de leurs propres opérations, au lieu de dédier ces ressources-là aux activités fondamentales de l'université, que sont l'enseignement et la recherche. Donc, je voulais donner un autre exemple de ce gaspillage donc, de ressources importantes dans les universités nord-américaines. C'est le phénomène, et je ne sais pas si ça existe tant que ça en France, vous me le direz, c'est le phénomène que moi j'ai appelé, que j'ai appelé le phénomène des super-recteurs. Hein. Allez sur Internet, allez voir les salaires des présidents des grandes universités américaines, ce sont des salaires dignes des plus grands PDG. Au Québec, à l'Université McGill, qui est l'université anglophone de Montréal, citée elle aussi comme un exemple, est systématiquement très bien positionnée dans les soi-disant palmarès, la rectrice avait une rémunération annuelle de 590 000 $ par année. Pour vous donner une idée, c'est trois fois le salaire d'un élu à l'Assemblée nationale du Québec. Et avec des bonnies, avec évidemment accès à un jet privé, à un loft privé, avec le plus grand écran de télévision jamais conçu là, et vendu en commerce, une terrasse vue sur la ville, des voyages partout dans le monde. Je dis, un train de vie digne. On fait comment pour y arriver? Digne des PDG. Et pour nous, bon, nous, c'était des exemples que l'on citait lors de la mobilisation pour dire, mais vous n'allez pas quand même oser nous demander de payer plus de frais pour leur payer ce train de vie-là. Et la réponse qu'on avait était très simple et tout à fait cohérente avec la conception que ces gens-là ont des universités, puisqu'ils nous disaient, écoutez, si on veut être compétitif sur le marché international de l'éducation, il faut être en mesure d'avoir les meilleurs gestionnaires. Et si on veut les meilleurs gestionnaires, ben, il faut les rémunérer comme tels. Il faut être capable de compétitionner avec les autres universités, non seulement dans les palmarès, dans la logique propre de l'éducation commerciale, mais il faut également compétitionner pour engager les meilleurs cadres. Alors, il y a un deuxième étage de compétition, c'est le glaçage sur le gâteau de la compétition. Et là, ce qui évidemment fait une pression à la hausse, puisque forcément, chaque université va constamment monter ses conditions de rémunération et de travail. Et il y a une pression à la hausse, une explosion des rémunérations des hauts cadres des universités en Amérique du Nord. Et là, je vous dis, allez sur Internet, regardez les grandes universités américaines, ça atteint des niveaux littéralement ridicules. Et bon, évidemment, il y a quelque chose d'indignant dans cette situation-là, mais plus profondément, ce à quoi on assiste, donc, c'est une rupture avec la logique de la collégialité, qui était celle qui a présidé, dit-on, à l'organisation des universités pendant longtemps, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les universités doivent être administrées par la communauté universitaire, les professeurs, les étudiants, les étudiantes, les employés. Et on a une rupture avec cette logique-là et on passe à une logique où, comme j'ai essayé de l'illustrer, on voit apparaître une couche de bureaucrates professionnels, très, très bien rémunérés, qui n'ont comme fonction que de, comme je le disais, mesurer, paramétrer les opérations des universités, s'occuper des comptes étudiants, s'occuper des programmes de prêts de bourse, parce que tous ces mécanismes-là qu'on installe dans les universités pour compenser l'effet de la hausse des frais d'inscription, c'est les mécanismes qu'il faut organiser, financer, structurer. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est souvent un aveu même de l'effet des frais d'inscription, le fait que les universités se sentent obligées de mettre des mécanismes comme ceux-là. Mais d'autre part, c'est des mécanismes qui coûtent cher et qui coûtent, en fait, quand on fait les calculs, plus cher qu'un système de gratuité scolaire financé par la fiscalité comme il a été proposé. Donc, premier phénomène, c'était celui-là, vraiment de bureaucratisation importante. Et donc, ça permet de répondre à l'argument qui est utilisé en faveur des frais d'inscription, c'est-à-dire non, l'université commerciale n'est pas une université plus efficace. Au contraire, c'est une université qui gaspille énormément de fonds.
parce qu'elle se détourne de ses activités fondamentales. Donc, deuxième phénomène, très intéressant également, et qui est lié, en fait, vous allez voir pourquoi, au premier, c'est un phénomène, encore une fois, là, d'apparition très rapide, d'explosion, encore une fois, de ce que j'appelle le secteur para-académique. Vous me pardonnerez les néologismes. C'est-à-dire quoi? Ben, c'est-à-dire que puisque la hausse des frais d'inscription contribue, comme ça a été très bien présenté par David, à radicaliser la logique de compétition entre les établissements, parce que si on fait un investissement de 25 000 $ sur son éducation, on va très, très, très bien, on va y réfléchir longuement et on va penser avec beaucoup d'assiduité l'endroit où on investit notre 25 000 $ sur notre capital humain. Et donc, ça active la logique qui existe déjà de compétition entre les universités. Mais une des conséquences de cette logique de compétition-là, c'est l'apparition de discours et de pratiques qui, pour convaincre donc les étudiants de venir investir dans son université, vont mettre sur pied ce qu'on appelle des éléments d'expérience étudiante, hein, student experiment, où on va voir et où, dans le fond, on va essayer de convaincre les étudiants de s'inscrire dans une université, non pas, par exemple, en mettant de l'avant la qualité des ressources académiques, la qualité de l'encadrement académique, le haut niveau intellectuel, mais où on va investir dans littéralement des infrastructures de divertissement, des infrastructures de tourisme. On va littéralement bâtir ce qu'aux États-Unis, ça existe, des Student Country Clubs, pour convaincre les étudiants de venir passer quelques années pour s'éclater. Je vous donne un exemple. À l'Université du Missouri, on a construit un centre de divertissement pour une valeur de 50 millions de dollars, où il y a évidemment plus des piscines, des saunas, des murs d'escalade, des salles de golf électroniques et un bain tourbillon pouvant contenir 28 personnes. Avec les frais d'inscription des étudiants. Donc, je vous réfère à un documentaire très intéressant sur le système d'éducation américain qui s'appelle Ivory Tower, donc Tour d'Ivoire. Ivory Tower, donc documentaire qui est sorti l'année dernière et qui fait le portrait de cette décadence des universités américaines, de cette course, de ce nivellement vers le haut des investissements immobiliers. J'ai parlé bon, de ces nouveaux complexes de divertissement, mais on pourrait penser au sport universitaire américain hein, qui est en train de drainer une quantité incroyable de ressources dans les grandes universités. Aux États-Unis, il y a des clubs de football américains universitaires qui ont des plus grands stades que les équipes de football professionnelles. Et ça, c'est pas juste des anecdotes. Hein. Je donne des exemples pour marquer, mais c'est pas seulement des anecdotes. C'est un phénomène qui se passe partout, qui est en augmentation et qui est lié intimement à la logique de compétition entre les universités qui règne aux États-Unis. Logique de compétition qui est nourrie, qui est alimentée par l'augmentation des frais d'inscription. Ces choses-là sont toutes liées entre elles. Elles participent tous d'une même transformation de fond. Donc, cette explosion-là comme j'appelle, du secteur para-académique dans les universités américaines, on le sent aussi au Québec de plus en plus, que ce soit tout le secteur des produits dérivés qui apparaît de plus en plus dans les universités tendent à devenir des marques de commerce et à faire une quantité assez impressionnante de produits avec leurs marques de commerce. À Paris, donc, on insiste de plus en plus également au Québec sur l'importance des clubs sportifs. On va rivaliser en ce qui a trait aux infrastructures de sport, mais moins de sport, plus de divertissement et d'expérience étudiante, comme on dit. Et donc, ça permet encore une fois, donc, ce deuxième phénomène-là, de répondre à un autre argument qui est utilisé en faveur de l'augmentation des frais d'inscription, c'est-à-dire qu'en augmentant les frais d'inscription, on a plus de ressources. Ayant plus de ressources, on peut mieux financer l'éducation. On va nous parler d'excellence, c'est un peu le nouveau mot, le nouveau terme là, de cette nouvelle langue-là de l'université commerciale, on nous dit en augmentant les frais d'inscription, on va avoir des universités qui vont viser l'excellence. Or, encore une fois, quand on regarde ce qui se passe dans le vrai monde, dans la vraie vie,
pas dans les documents de recherche de l'OCDE, mais dans la vraie vie, ce qui se produit quand on augmente les frais d'inscription, on assiste à un détournement massif de ces fonds-là vers toutes sortes de bébelles, toutes sortes de machins pour convaincre les étudiants de s'inscrire, convaincre les étudiants d'investir chez soi et absolument pas en ressources académiques parce qu'au contraire, ce qu'on constate aux États-Unis, c'est une chute rapide, j'en ai parlé tout à l'heure, de la proportion des cours qui sont donnés par des professeurs et une explosion de la quantité de cours qui sont donnés par du personnel académique précaire. Donc, deuxième phénomène, c'était celui-là. Le troisième phénomène dont je voulais rendre compte, que je voulais un peu pour ajouter à la réflexion, c'était le phénomène qui est mesurable partout à travers le monde, mais encore une fois, les États-Unis, sur ça également, en sont les champions, c'est le phénomène de déséquilibre entre les disciplines, à l'intérieur des universités. Ça n'a pas été mentionné dans la présentation, mais il y a une corrélation très claire aux États-Unis entre l'augmentation rapide des frais d'inscription et un changement très rapide et très marqué dans les choix d'études qui sont faits par les étudiants. Hein. Et ça s'explique, encore une fois, assez facilement. Le livre traite bien, synthétise bien ce que certains appellent l'effet ou la fonction disciplinaire de l'endettement étudiant. Bien, un des résultats de cette dynamique disciplinaire, c'est, comment dire, si vous savez que vous allez ressortir de l'université avec une dette de 150, 200 000 $ puisque c'est de ça dont on parle, tout d'un coup, l'histoire de l'art vous apparaît moins intéressante. Hein? Ou la philosophie, tout d'un coup, oh, ça semble moins passionnant, alors que le management, par exemple, ou la comptabilité, va tout d'un coup revêtir plus d'intérêt pour vous, et pas parce que vous êtes quelqu'un qui avait des mauvaises valeurs, mais parce que si le prix à payer est aussi cher, bien, autant s'assurer qu'il y ait un rendement sur l'investissement. Tout ça pour dire qu'au jeu de l'augmentation des frais d'inscription, il y a certaines disciplines qui forcément sont perdantes et d'autres disciplines qui forcément sont gagnantes. Aux États-Unis, je me répète, ce phénomène-là, on peut le mesurer, il est mesuré. En 1967, dans les universités américaines, 18% des diplômes de premier cycle qui étaient accordés dans le secteur des humanités, c'était le premier secteur dans les universités américaines. En 2013, ce n'était plus que 6,5% à son plus bas niveau historique. C'est assez simple. Aux États-Unis, à chaque année, on bat le record de l'année précédente, puisqu'à chaque année, la proportion des diplômes accordés dans le secteur des humanités diminue. Parallèlement, le management est devenu le premier secteur de diplomation aux États-Unis avec un rocambolesque 19% des diplômes en 2013 également. Donc, l'effet d'une augmentation des frais d'inscription sur les choix des filières, comme vous dites ici, il est clair, il est direct, il est mesurable et ça s'explique par des raisons, disons, socio-psychologiques assez élémentaires ou même économiques assez élémentaires. Je me répète, si vous prenez un risque à hauteur de 25-30 000 $ par année, bien, vous allez très bien calculer les paramètres de cet investissement-là et favoriser une formation qui va vous fournir, croyez-vous, un rendement significatif sur l'investissement et non pas une formation qui va vous condamner à réfléchir sur l'avenir du monde pendant les prochaines années. C'était mon troisième phénomène, j'en avais trois. Donc j'arrive à la fin pour vous dire, j'ai parlé depuis le début d'une explosion des frais d'inscription aux États-Unis. Le chiffre, il est très très clair, les frais ont triplé en moyenne aux États-Unis depuis les 20 dernières années. J'ajoute un dernier élément, il faut faire très très attention. Quand on nous parle des universités américaines, on nous parle toujours des 10, 12 mêmes universités. Il y a 3000 universités aux États-Unis. Et on ne parle jamais des 2990 autres. Mais dans ces cas-là, la qualité de l'éducation n'a évidemment rien à voir avec cette poignée de 10 universités, qui sont souvent d'ailleurs fréquentées en grande partie par des étudiants internationaux. Donc, ce n'est même pas la population américaine en grande partie qui en bénéficie. On nous parle toujours donc de ces 10 universités, mais jamais des 3000 autres ou
où on ne voit pas et, où on, et, dont on, et dont on ne parle pas. Encore une fois, je vous réfère à ce documentaire qui fait un beau portrait des universités, un portrait convaincant, mais plutôt laid en fait, des universités privées américaines. Donc, je m'arrête ici en vous remerciant beaucoup de votre attention et de m'avoir invité. Donc, on va ouvrir la discussion. On va ouvrir la discussion. Voilà, c'est bon. D'abord, je remercie beaucoup Gabriel d'avoir relancé, de nous avoir recentré d'ailleurs un petit peu sur la question. Parce que je pense, en fait, pour faire un petit commentaire sur la présentation du livre, je pense qu'en fait, le travail de chiffrage est prématuré. Je sais qu'il y a un exercice de conviction qui passe par les chiffres, mais je pense qu'il est prématuré dans la mesure où une partie de l'analyse n'est pas effectuée jusqu'au bout. C'est-à-dire que, par exemple, la question du déséquilibre des disciplines, qui est le dernier phénomène que mentionne Gabriel, est à mon avis lié à cette question du chiffrage, à mesure où probablement le nombre des étudiants est aussi lié à ça. Il y a une sorte de stagnation en ce moment des inscriptions universitaires qui est peut-être due pas uniquement à un phénomène du coût de l'enseignement, mais aussi à autre chose. Et d'une certaine façon, je me demande si cet exercice n'est pas prématuré. Voilà, j'aurais voulu un commentaire là-dessus. Et s'il ne sert pas justement plutôt l'effet inverse qui consisterait à dire on va renforcer encore une fois les impôts, la taxation, le rôle de l'État. Est-ce que ça n'alimente pas, disons, une sorte de méchant dragon qui est en fait le repoussoir sur lequel repose le New Public Management, en gros. Voilà. Mais j'ouvre la discussion, peut-être. Bonjour, donc je m'appelle Lilia Rebaille, je suis enseignante de l'enseignement supérieur en Tunisie et récemment donc j'ai rejoint un peu la société civile et ma question en fait, d'abord je voudrais remercier vraiment les deux intervenants pour la qualité des deux présentations, hein, très complémentaires de mon avis. Et bien entendu, personnellement, je me place du rang de ceux qui pensent que l'enseignement doit être gratuit entièrement dès le début jusqu'à la fin. Cependant, donc, pour réellement enrichir un peu le débat, je voudrais un peu présenter le cas tunisien, qui est un cas peut-être à analyser également, puisque dans le cas tunisien, l'enseignement est gratuit. Et que c'est vraiment le modèle dont a parlé David, sur lequel on est parfaitement d'accord, même s'il y a des difficultés qu'il conviendrait de relever et essayer de trouver des solutions toujours dans le même modèle. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de penser, malheureusement, c'est de passer du modèle de gratuité de l'enseignement à d'autres modèles. Et je suis certaine que le modèle qui sera choisi, finalement, ce sera celui que l'on ne voudrait pas. Celui de paiement, pas seulement des frais, mais où on a une privatisation de l'enseignement. Alors, en fait, ce qui s'est passé en Tunisie, c'est que, comme vous le savez peut-être, c'est que la révolution a eu, disons, pour départ, justement, le chômage, hein, qui était en 2011 à peu près à 20% de la population, donc était touchée par le chômage, et ça a touché surtout la population de ceux qui étaient diplômés de l'enseignement supérieur. Et là, on était à des chiffres de 30% et près de 40% des femmes pour 30% d'hommes donc au chômage enseignement supérieur. Et là, effectivement, le choix qui avait été fait, c'est justement, je parle de votre argument numéro 3, en fait, de la décorrélation, et que effectivement il n'y avait pas, tout le monde était envoyé, les étudiants étaient envoyés, et on a plein d'étudiants diplômés en histoire, en géo, en philo, et là, que faire quelque part? Ces étudiants n'ont pas trouvé de travail par la suite, et évidemment le marché ne peut pas absorber autant d'étudiants de
Lilia. Donc, quel mécanisme trouver pour pallier cette difficulté? Donc, que mettre en place? Parce que si on laisse le libre choix, ça peut mener même avec une campagne d'information, mais parfois les universités peuvent être saturées. Hein. Donc, voilà. Et je vous remercie encore pour les présentations. Est-ce que le chiffrage est prématuré? On s'est évidemment posé la question de est-ce qu'on fait un chiffrage ou pas. D'abord, je voudrais dire que cette allocation d'autonomie, plus précisément, on l'appelait allocation universelle d'autonomie, parce que je pense qu'il y a un enjeu extrêmement important à faire en sorte qu'on ne fasse pas passer cette allocation d'autonomie comme une forme d'assistanat, enfin qu'on puisse rejeter toute idée qu'il y a idée d'assistanat. C'est pas l'assistanat, dans une autre logique, et qu'à partir de ce moment-là, on est sur des sommes, si c'est une allocation qui est universelle, sur des sommes qui sont importantes. Et si on annonce 5 milliards et enfin au total 24 milliards, c'est quand même des sommes plus que significatives, sans aucune simulation sur les faits, sur les familles, etc. Enfin, avoir un ordre de grandeur, ça me paraît important. Nous, le chiffrage, c'était pas tant l'ordre de grandeur, parce que c'est toujours facile de donner un ordre de grandeur, c'est de voir quel pourrait être l'impact de la mise en place de ces frais d'inscription sur les différentes familles, qu'elles soient mononucléaires, avec deux parents, avec un enfant. Donc ce chiffrage-là, en termes de conviction et de remporter l'adhésion, ça paraissait complètement essentiel. D'ailleurs, il y a un travail qui vient d'être réalisé par une étudiante de l'ENS Cachan, avec des micro-simulations, donc quelque chose d'encore plus sophistiqué et encore plus avancé, qui permet réellement de donner une compréhension de l'impact de cette allocation d'autonomie et sur les familles et en termes budgétaires. Et moi, ça me paraît complètement essentiel. Alors évidemment, après, il y a la question du déséquilibre des disciplines. Mais pour le coup, sur la question du déséquilibre des disciplines, une allocation d'autonomie et un enseignement supérieur gratuit permet réellement de choisir sa discipline. Alors, pour répondre à la question de Lydia, moi, je pense que, d'abord, en France, tous ceux qui font psycho, philo ou histoire ne deviennent pas tous philosophes, historiens, et donc beaucoup de gens font des études qui ne vont pas correspondre à leur métier. Donc la question, je pense qu'en Tunisie, était plus liée au problème de ce qui est des possibilités que le marché du travail offrait, mais pas forcément à ces disciplines-là, de manière générale, à la manière dont le marché du travail était aussi trusté par une classe politique et leurs affidés. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Après, une personne peut être passionnée d'histoire de l'art, commencer par faire 3 ans, 5 ans d'histoire de l'art, et puis éventuellement compléter sa formation par une autre formation. Je veux dire, ce qui est très intéressant, c'est de voir dans les pays nordiques comment ça se passe, et en Suède comment ça se passe. Les études durent beaucoup plus longtemps dans ces pays-là. Il y a des allers-retours, y compris parfois à la vie active, puis de nouveau des études. Les études, c'est des zigzags entre différentes disciplines, différentes études, jusqu'à ce que les personnes trouvent leur voie et atteignent l'objectif qu'elles se sont fixé peu à peu. Donc je pense qu'on doit être plus dans une logique qui est une logique vraiment d'émancipation à travers l'éducation et de construction. Alors évidemment, elle ne peut pas se faire de manière abstraite et complètement indépendante du marché du travail, mais je crois qu'il y a une logique qui doit être une logique complètement différente à l'avenir des tendances lourdes qu'on observe aujourd'hui. Peut-être. Oui, tout à fait. Je ne veux pas répéter ce que David a dit. Je suis d'accord avec l'essentiel. Deux éléments, puis en même temps, je pense que la question que vous posez, elle est difficile à répondre dans l'abstrait. C'est-à-dire que je connais assez les systèmes universitaires un peu partout pour savoir qu'ils sont très différents d'un endroit à l'autre. Je ne connais pas le système tunisien, je connais un peu le système français, mais vous avez le don de faire les choses toujours très compliquées ici, alors c'est pas facile à comprendre. Donc, au Québec, ce que je sais, c'est que une des stratégies qui a été utilisée, ça a été de valoriser d'autres types de formations que des formations universitaires. Parce que souvent, j'ai l'impression que le discours donc progressiste qui parle d'accessibilité universelle à l'éducation supérieure, parfois il est mal compris. Et je pense qu'il faut faire un effort pour être bien compris, c'est-à-dire que je ne crois pas que, en tout cas, je vais parler pour moi, ma position n'est pas de dire il faut nécessairement à tout prix qu'il y ait le plus de gens possible dans les universités. L'important, c'est que tous ceux et toutes celles qui ont le désir sincère d'y aller puissent y aller, nonobstant
leur condition sociale. Et même si on vient d'une famille très favorisée, d'une famille où ça fait 5 générations que les gens vont à l'université, il ne faut pas que ce soit mal vu, ou il ne faut pas que ce soit un stigmate social que de dire « moi, l'université, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de faire autre chose, un métier plus… j'ai envie de faire un métier plus technique. » Et je sais qu'au Québec, une chose qui a été mise de l'avant, c'était d'essayer de, oui, d'encourager les gens, s'ils le désirent, à aller à l'université, mais aussi à valoriser d'autres filières qui ne sont pas universitaires, mais qui peuvent être tout à fait dignes, où on peut très bien vivre et on peut s'émanciper puis, comme individu sans nécessairement aller à l'université. Donc ça, je sais que c'est une réponse que nous, on fait au Québec. C'est-à-dire peut-être qu'il y a même des gens en ce moment qui sont de famille d'universitaires et ils vont à l'université, alors qu'au fond, peut-être que ça ne les intéresse pas vraiment, qu'ils le font par volonté de continuer à appartenir à une certaine caste, mais qui, dans les faits, n'ont peut-être pas leur place à l'université. Et peut-être que ces gens-là même prennent la place de gens des classes populaires qui, eux, ont une volonté réelle d'y aller, puis ils font le choix de ne pas y aller pour des mauvaises, ben, des raisons compréhensibles, mais qui sont des mauvaises raisons, puisque ce sont des raisons financières. Donc, je pense que, je ne sais pas si vous savez ça un peu ce que j'essaie de dire un peu maladroitement, mais je pense qu'il y a là quelque chose d'intéressant, puis c'est quelque chose que nous, on faisait au Québec beaucoup, de dire, de répondre un peu à cette question-là, en disant, mais là, si on fait la gratuité scolaire, il n'y aura pas assez de place, c'est de dire, ben, pas nécessairement, puisque l'objectif, c'est seulement que les gens qui veulent y aller puissent y aller. Puis si les gens ne veulent pas y aller, bien, il y a plein d'autres métiers qu'on peut faire, puis plein d'autres parcours de vie qu'on peut faire, qui sont émancipateurs, qui sont dignes, qui sont intéressants. Puis il faut les valoriser aussi, ces parcours-là. Faut pas en parler de manière seulement négative. Et voilà. Sinon, c'est sûr que, de manière plus générale, le rapport entre les humanités ou les formations universitaires moins... directement lié à des emplois sur le marché du travail, le rapport entre donc ces formations-là puis le marché du travail, c'est un rapport qui est complexe. Je pense qu'on peut pas être dans une logique, je pense qu'on s'entend pour dire qu'il faut éviter une logique d'adéquation, de connexion trop étroite entre le marché du travail et les formations. On veut pas instrumentaliser des formations qui, par essence, ont une fonction plus théorique, plus émancipatrice, plus critique. En même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'opposé de inverse, puis de penser qu'on peut, dans une société comme la nôtre, dire aux gens « arrêtez, occupez-vous pas de ça ». Je pense qu'il faut essayer de trouver une manière, oui, de valoriser ces secteurs-là, de montrer qu'on peut mener une bonne vie, même matériellement, en les choisissant, mais ça prend une réflexion critique, ça prend un travail sur les formations, ça prend l'État a un rôle important à jouer là-dedans, et surtout, ça va, comment dire, c'est sûr que dans une société capitaliste, ces efforts-là vont toujours être toujours limités, forcément. Et donc là, on touche déjà aux limites d'une réflexion sur l'enseignement supérieur qui ne serait pas aussi une réflexion sur la transformation de la société. Ça, pour moi, c'est aussi, je pense qu'il faut accepter que quand on en arrive à des enjeux comme ceux-là, là, on est à un moment dans la réflexion où il faut passer à une réflexion critique sur la société puis l'économie elle-même. Donc bonjour et merci beaucoup aux deux intervenants. Même si dans ce genre de situation où on est tout à fait d'accord avec les idées, c'est assez frustrant de débattre. Je voudrais juste rappeler que même si on a ici un témoin un peu d'outre-Atlantique qui nous parle un peu de ce qui se passe de l'autre côté comme un exemple assez poussé de ce qui pourrait arriver en France, il existe dans le système d'enseignement supérieur français déjà des exemples de ces mécanismes-là, notamment dans le secteur, on va dire, des grandes écoles et en particulier dans le domaine de la gestion, où déjà des exemples d'établissements avec cette stratification qui a été mentionnée pour l'Amérique du Nord, entre écoles, énormément de dépenses associées à ce que il a été mentionné comme para-académique, et sans que le terme soit mentionné, c'est bien une course aux armements auquel on a affaire à partir du moment où on libéralise un peu ces mécanismes-là, où on crée de la concurrence entre différents établissements. Dans cette concurrence, il y a une course effrénée à la dépense pour s'affirmer par rapport aux autres. Et les différentes études sur ces mécanismes-là, indépendamment de l'enseignement supérieur, je pense notamment au travail de Robert Frank
sur la course au luxe, Luxury Fever, où il décrit ce mécanisme de course aux armements dans de nombreux secteurs. La réponse nécessaire et la seule qui fonctionne pour freiner ce système-là, c'est la régulation étatique et donc la limite à ce type de dépenses qui accroissent l'inefficacité par euro ou par dollar supplémentaire dépensé. Et donc on parle beaucoup de l'université, mais dans le système d'enseignement supérieur français, on a tout un système de grandes écoles. On a cité Sciences Po où c'est quand même pas aussi généralisé, mais dans les grandes écoles de commerce notamment, c'est quelque chose qui existe déjà beaucoup, avec des prémices de ce qui a été décrit en Amérique du Nord, l'utilisation de la marque, les dépenses extravagantes, les salaires d'administrateurs, etc. Donc ça, c'était une première remarque. Deuxièmement, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette présentation, c'est finalement, notamment quand on étudie ces phénomènes, on est souvent à un stade, on va dire, plus avancé du phénomène, et on étudie comment on est arrivé à la mise en place d'une politique par la construction d'un problème et le désengagement de l'État qui apparaît comme une évidence. Et finalement, on arrive à posteriori à voir la construction des esprits à cette idée, l'idée de payer ses études, comme quelque chose d'inéluctable. Et l'intérêt peut-être de faire de présenter ça aujourd'hui, c'est justement qu'on n'est pas encore en France, en tout cas, à ce stade-là, et qu'on est simplement en train de voir se construire le problème, notamment par la sous-dotation des universités, par rapport aux grandes écoles notamment, qui accroît cette tension et est en train de faire imposer l'idée comme inéluctable. Donc je pense que c'est l'importance de la démarche de cette présentation et probablement du livre que je n'ai pas encore lu. Mais donc on est en plein dans, je pense, la construction du problème et qui n'est pas encore imposé totalement à nous. Et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant de voir ici que des gens qui sont d'accord avec cette idée mais qui en réalité n'est pas du tout partagée, je pense, à l'échelle de la population française. Et c'est là, à mon avis, une autre partie du problème qui est que là, je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord, mais on est en fait, je pense, minoritaire dans un mécanisme plus global qui, pour l'instant, est en train de nous dépasser. Oui, je pense que la question qu'a abordée notre collègue tunisienne, qui est en fait celle de la régulation du système, je ne tiens pas à être photographié, c'est de la régulation du système, c'est-à-dire que les tenants de la marchandisation de l'université, on va simplifier le langage, disent les frais d'inscription sont, comme tout mécanisme de marché, un mécanisme de régulation, c'est-à-dire que au travers des frais d'inscription, du fait qu'ils représentent un investissement, il va y avoir une allocation des ressources et aussi une allocation des choix qui va, par exemple, favoriser les voies disciplinaires qui sont plus rentables sur le marché du travail, etc. Bon, si on envisage un autre système, quelles sont les possibilités de régulation? Alors, à l'extrême, on pourrait avoir, on envisageait... Enfin, je crois qu'il faut aborder cette question. Parce que dès qu'on sort... moi, je suis plutôt... Je suis venu ici en n'ayant pas des convictions très arrêtées, mais je trouve vos propositions intéressantes. Mais je me dis, dès qu'on sort des gens qui déjà en débattent, on va se poser cette question de la régulation. On pourrait envisager une approche planificatrice, d'essayer d'imaginer, et je trouve ça complètement irréaliste, et en plus contraire à l'aspect émancipateur de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire, bon, on a besoin de tant de médecins, de tant de... et on ouvre tant de places. Indiquer, ça ne me paraît pas très souhaitable d'envisager un système. Néanmoins, on ne peut pas ne pas avoir de système de régulation. Et système de régulation, ça veut dire aussi système de sélection. Alors, les sélections ne sont pas forcément au début du parcours, elles peuvent être progressives. Lorsqu'on a
un âge entre 18 et 25 ans, on se cherche, c'est tout à fait normal. Et donc, il faut admettre les réorientations, etc. Mais elle est centrale, à mon avis, la question de la... Si on veut que socialement, les propositions puissent être même seulement débattues, il faut se poser en même temps la question des mécanismes de régulation. Alors c'est intéressant de dire que là effectivement on est un peu entre... C'est bon, ça marche? Oui. Non, ça marche plus. Ça marche. De dire qu'on est effectivement un peu entre gens convaincus ou pas loin de l'être. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aurait dû se tenir cet après-midi un débat avec un certain nombre de directeurs d'écoles dont les frais viennent d'augmenter récemment, mais qui bizarrement ont tout fait, mais absolument tout fait pour que le débat n'y ait pas. Là, là en l'occurrence, on devait avoir un débat avec le directeur de Télécom Paris Tech qui a dit on le fera en septembre. Enfin, en gros, il a repoussé. Pour l'instant, ça ne s'est pas. Alors là, on avait aussi invité Gabriel dans l'idée qu'il pourrait faire partie des personnes montrant un petit peu les expériences internationales. Mais évidemment, il ne le souhaite pas. Il le souhaite d'autant moins qu'en réalité, le fond de leur pensée est assez claire. Elle est d'autant plus claire que ces mêmes personnes, en l'occurrence ce même directeur, avait dans une enceinte visiblement un peu fermée donné le fond de sa pensée, c'est-à-dire sa volonté d'aller vers une vision beaucoup plus marchande, etc., de l'éducation, et que le journal Mediapart avait révélé ça, et alors qu'il avait dit exactement le contraire devant les enseignants et les étudiants de l'école, il a ensuite dû se justifier comme il a pu, mais on voit bien qu'il y a une logique très prégnante auprès du monde qui dirige l'enseignement supérieur, soit en étant directeur d'école, soit dans les ministères, d'aller vers cette logique-là. Et nous avons été, y compris dans des enceintes à peine plus ouvertes, mais à Bercy, où tous les calculateurs fonctionnent. Enfin, je veux dire, on est prêt pour mettre en place les frais, tout ça est prêt. Et prêt depuis longtemps, d'ailleurs. Et y compris les discours de Geneviève Fioraso, avant qu'elle ne quitte le secrétariat d'État, montre bien qu'à plusieurs reprises, elle a essayé de faire des petites piqûres de rappel en expliquant que les frais d'inscription étaient certainement une bonne solution pour peu qu'on les module en fonction des revenus des parents. On met toujours tout un tas d'accompagnements envisageables, etc. Mais au fond, cette idée, elle n'attend que le bon moment pour être imposée en France. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Et les mécanismes qui conduisent à ça sont assez évidents. On saucissonne l'introduction des frais d'inscription pour qu'à un moment donné, de toute façon, une résistance collective ne soit plus possible. C'est quoi ce saucissonnage? C'est des expérimentations, c'est Sciences Po et Dauphine, où on constate que les frais en plus n'ont cessé d'augmenter, c'est-à-dire qu'on est parti sur des frais relativement élevés à un moment donné, mais ils n'ont cessé d'augmenter, augmentations successives. Donc, avec des statuts dérogatoires. Les grandes écoles viennent d'augmenter, il y a un an et quelques, leurs frais d'inscription. Donc là, ça entre en vigueur. Télécom, Paris, Supélec, Polytechnique y pense, alors que c'est complètement aberrant vis-à-vis du statut de l'école. L'autre catégorie qu'on va évidemment viser assez vite, c'est les étrangers non ressortissants de l'Union européenne, auxquels là, les universités ont, d'après ce que j'ai compris, pourtant on est dans le sujet, mais on a le droit déjà de mettre en place des frais d'inscription pour ces populations. Alors, elles ne le font pas encore complètement, mais certaines ont commencé à le faire et c'est en train de se diffuser davantage. Et puis, il y a la possibilité qui est laissée aux universités de créer des diplômes non reconnus par l'État, mais qu'on va appeler des diplômes d'université, qui là sont totalement libres de frais d'inscription et sur lesquels les universités tentent de plus en plus de choses. Donc on voit bien qu'on a un saucissonnage de l'introduction des frais d'inscription, et le jour où il ne restera plus qu'une micropopulation à toucher, cette micropopulation aura assez peu d'impact pour lutter contre la généralisation de ces frais d'inscription. Donc je pense qu'il faut être particulièrement vigilant. Alors, ce livre, il a vocation à poser un peu les bases de cette vigilance. Une fois qu'on a posé la base de cette vigilance, parce qu'on pense fondamentalement que les frais d'inscription, c'est le verrou qui, s'il saute, conduit à une transformation radicale de l'enseignement supérieur
en France et en tout cas dans tous les pays dans lesquels ça se met en place. Donc cet élément de résistance est complètement fondamental. Tant que les frais de scolarité ne seront pas passés, alors on voit les super recteurs, on les a quasiment, enfin en tout cas Sciences Po c'était le cas, les présidents d'université, même s'ils ne sont pas surpayés aujourd'hui, ils le seront certainement demain, mais de toute façon ils ont déjà énormément de pouvoir. Donc cette logique-là, de toute façon, elle essaye de se développer. Mais le dernier verrou pour une transformation absolument massive, c'est les frais d'inscription. Donc là, je pense qu'il faut y être particulièrement attentif. Alors après, quelle régulation ? C'est un peu ce que j'ai essayé de dire. Alors il y a des éléments dans le livre, hein, là-dessus, et puis je n'ai pas eu le temps de les développer davantage, mais j'ai dit la question de la sélection, et qu'est-ce que ça veut dire que la sélection se pose ? Moi, je suis... Si on fait une sélection extrêmement forte, on se retrouve à sélectionner de fait systématiquement les populations favorisées. Donc il faut, je pense, plutôt filtrer que sélectionner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent dans des filières où, de toute façon, on sait qu'ils vont à l'échec. Donc si, par hasard, c'est absolument cette filière qu'ils veulent faire, il faut qu'on envisage des années propédeutiques, etc. Si les gens sont effectivement, on est convaincus qu'il n'y a pas de problème, il faut envisager des choses comme ça. Soit on peut, je pense qu'il faut pas laisser rentrer dans le système, en tout cas tel qu'on veut le définir, des gens livrés à eux-mêmes dans des filières où ils sont pas absolument, où ils n'ont pas un minimum de chances de réussir. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, à moi, me paraît, j'engage pas le groupe, hein, mais c'est mon point de vue là-dessus. Et puis, la question de l'orientation. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir une orientation hyperactive, c'est-à-dire que sinon, on va se retrouver là aussi à orienter des gens d'une catégorie sociale vers des métiers qui sont particulièrement... Mais déjà, avoir une information, je pense que la plupart des étudiants ne savent pas quel est le champ des possibles en matière d'études, ne savent pas quels sont les débouchés de ces différentes études. Alors on a plus ou moins des vagues classements qui se mettent en place, mais qui ne sont absolument pas informatiques. Donc déjà, il y a informatif. Donc il y a déjà un problème de l'information qui est essentiel. Il y a une question du filtre, qui doit être un filtre minimum, mais surtout pas avec un tamis trop fin, parce que sinon, on arrive à être contre-productif là-dessus. Et puis, à partir du moment où on donne l'opportunité à des étudiants de faire des études dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire en ayant une allocation d'autonomie, on attend à ce qu'à l'issue de leur année, ils aient validé un minimum de crédit. C'est-à-dire que sinon, on ne va pas payer ad vitam aeternam. Donc là aussi, il y aura, d'une certaine manière, là, ça me fait presque aller dans le sens d'une économie plus mainstream, c'est de dire que, d'une certaine manière, ils seront incités aussi, s'ils veulent garder leur allocation, à fournir les efforts qu'on est en droit d'attendre d'eux en tant qu'étudiants. Donc, sur la première... Est-ce qu'on est pressé? On est par le temps? Ben, un petit peu. OK. Sur une réaction à la première intervention, je voulais rebondir sur ça. Revenir sur un élément, un autre phénomène très mesurable et très clair dans les universités américaines, c'est le phénomène des abandons massifs. Je pense notamment à l'Université de l'Arizona, où notamment on vient d'ouvrir un centre avec des salles de bronzage pour les étudiants, mais où il y a un vrai problème d'abandon massif, c'est-à-dire que il y a les étudiants massivement sont incapables de finir leur diplôme. Il y a des taux d'échec beaucoup plus élevés, alors que les frais d'inscription sont, faramineux, que dans des universités de pays où il n'y a pas ou peu de frais d'inscription. Donc, il y a un phénomène d'abandon massif, puisque, comme je le disais, les frais d'inscription ont permis des ressources très, très importantes pour les universités, mais ces ressources-là n'ont pas été investies dans des ressources académiques, dans l'embauche de professeurs, dans l'embauche d'encadrement académique professionnel, mais au contraire, dans ce que j'appelais le para-académique. Et un des résultats de ça, une des manières de mesurer les impacts de cette vision-là de l'université, c'est qu'on constate donc ce phénomène d'abandon massif. Sur la question de la régulation, c'est vrai qu'elle est centrale, cette question-là. On a eu politiquement à y répondre en 2012 lorsqu'on s'est opposé à l'augmentation des frais de scolarité et lorsqu'on devait justifier notre proposition positive qui était celle de la gratuité scolaire. Puis je vais répondre à votre question de deux manières. Tout d'abord de manière négative, ensuite de manière positive. Premièrement, de manière négative, vous avez dit les gens qui proposent l'instauration ou l'augmentation des frais d'inscription en parlent comme d'un mécanisme de régulation. Dans les faits, encore une fois, pas dans la théorie de ces gens-là, mais dans les faits, concrètement, ce qu'on remarque, c'est que ça ne fonctionne pas comme mécanisme de régulation, et je vous dirais même, au contraire, loin d'être un mécanisme pour limiter le nombre d'étudiants, ça peut tout à fait être cohérent avec une explosion du nombre d'étudiants, et encore une fois, l'exemple des États-Unis est un excellent exemple,
puisqu'on accorde des prêts massivement, hein, à des conditions de solvabilité tout à fait comparables aux prêts qu'on accordait il y a quelques années dans le marché de l'immobilier. Donc, on a diminué de beaucoup, beaucoup, beaucoup les conditions. Je vous réfère au même documentaire que tout à l'heure. On voit, là, il y a des. Bon, le marché du prêt est très, très peu régulé aux États-Unis. On le sait, ça a été la cause de la crise financière. Et les prêts étudiants sont la nouvelle filière de prêts où on accorde des prêts à des conditions dérisoires. Donc, vous allez sur Internet, on vous donne. Et pas seulement pour payer les frais d'inscription, là. C'est des prêts où on vous dit, dites-nous combien vous avez besoin. On vous donne ce que vous avez besoin pour. L'université, les frais d'inscription, donc on parle déjà de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour le logement, la nourriture, la fête, les voyages. On prête à des jeunes qui, si en plus viennent de classes populaires, probablement pas nécessairement les instruments de littératie économique, comme vous dites dans votre domaine, pour savoir, oh, je suis peut-être en train de me faire avoir. Là. Et donc on donne des prêts, les étudiants prennent les prêts, vivent pendant 3-4 ans un rythme de vie. Pas si mal que ça, semblable. Et on survalorise symboliquement tellement fortement les universités. Il y a tellement un discours aux États-Unis qui présente le college, comme on dit là-bas, comme la voie royale vers le succès sur toute la ligne, que les étudiants prennent les risques, s'endettent, mais le s'endettent à des niveaux vraiment, je veux dire, absolument catastrophiques, et sortent avec un diplôme qui, plus souvent qu'autrement, ne vaut rien. Ne trouvent pas d'emploi. Et récemment, on a d'ailleurs modifié la loi. Il n'y a plus de défaut de paiement possible pour les prêts étudiants. Ça fait partie des dettes maintenant aux États-Unis qui ne sont pas évacuées si vous faites faillite. Donc, si vous avez une dette étudiante, il y a légalement aucun moyen de s'en défaire. Au Québec, également, c'est le cas. Si les étudiants font faillite avec leur dette étudiante, les dettes étudiantes survivent aux faillites, alors qu'une dette hypothécaire, elle, par exemple, va être éliminée, la dette étudiante reste. Donc, quand on dit que c'est un boulet, là, c'est un boulet qui est attaché à votre pied, mais vous ne pouvez pas l'enlever. La clé est rendue dans le fond de la rivière. Là. Vous ne pouvez plus l'enlever, le boulet. Donc, même comme phénomène de régulation, ce qu'on constate aux États-Unis, c'est que ça ne fonctionne pas. Les États-Unis ont un taux de diplomation parmi les meilleurs au monde. En termes quantitatifs, ils diplôment une quantité incroyable de gens. Beaucoup plus qu'au Québec, par exemple, où on a pourtant les frais scolarités les moins élevés en Amérique du Nord. Parce qu'on peut avoir des frais d'inscription élevés et quand même diplômés en masse, à la différence que les gens n'ont pas le même profil socio-économique et qui en ressortent endettés et pas nécessairement avec des perspectives d'avenir intéressantes. Premier élément. Deuxième élément, je vous donner un exemple d'une université québécoise, l'Université du Québec à Montréal, qui est la grande université publique au Québec, celle dans laquelle j'ai étudié. À l'UQAM, qui était la grande université qui a été fondée dans les années 60 au Québec, dans ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, c'est-à-dire la modernisation très, très rapide du Québec à ce moment-là. Quand l'UQAM est fondée en 1968, par une grève étudiante d'ailleurs, quand l'UQAM est fondée en 68, donc, on rédige sa charte et un des principes fondamentaux de l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, c'était d'avoir des très, très bas frais d'inscription, c'était écrit à la charte, mais en contrepartie de ça, on avait mis un plancher en termes de moyenne de notes. Si vous n'aviez pas X, si vous descendiez sous la barre d'une certaine moyenne, vous aviez un avertissement et donc un processus s'enclenchait qui pouvait mener à votre expulsion d'université si vos notes n'étaient pas assez bonnes et c'était présenté comme la contrepartie à des frais d'inscription très très bas. Mais ça, c'était sous un régime de financement des universités où les frais étaient bas et où le financement était public et pas lié au nombre d'étudiants, mais au contraire lié au financement traditionnel. C'est un financement récurrent et non pas par tête de pipe, non pas par individu. Lorsqu'on s'est engagé au Québec dans la transformation des universités vers un modèle où les universités, une part de plus en plus importante de leur financement provient non pas de l'État, mais des prestations de frais d'inscription de chaque étudiant, l'UQAM s'est rendu compte que cette fameuse clause, donc, qui excluait des gens si la moyenne diminuait trop, nuisait à son financement. Puisque si votre financement vient de la prestation des frais et non pas de l'État, vous n'avez pas avantage à renvoyer des étudiants, puisque chaque étudiant que vous renvoyez, c'est un revenu dont vous vous privez. Et là, plus les frais augmentent, plus le revenu en question représente une part importante de votre propre financement. Donc, si 80-85%, comme c'est le cas aux États-Unis, de votre financement provient des frais de scolarité,
et que les frais sont ajustés en conséquence, donc très haut. Chaque étudiant que vous expulsez, par exemple pour des raisons académiques, c'est une part importante de votre budget dont vous vous privez. Alors qu'à l'inverse, si votre argent provient, votre financement provient de l'État, l'impact sur le budget de dire à quelqu'un, mais écoutez, puis ça fait tant d'années que vous êtes ici, vous n'avez pas atteint certains critères académiques, on doit vous demander soit de faire un peu plus d'efforts, soit de quitter. Ça a peu d'effet sur votre budget. Et donc, à l'UQAM, lorsque les frais de scolarité se sont mis à augmenter au Québec et que le mode de financement parallèlement s'est mis à être un financement par individu et non pas un financement de l'État, l'UQAM a amendé sa charte, ses statuts règlements internes, pour retirer cette clause-là. Donc, contrairement à l'argument que vous avez cité, dont vous avez, auquel vous avez fait allusion, quand on regarde ce qui se passe dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe. On peut tout à fait avoir des frais d'inscription très élevés et loin d'être un mécanisme de régulation ou de sélection, ça peut juste être un incitatif à remplir les classes, puisque chaque étudiant devient une mine d'or. Donc ça, c'était la réponse négative. Parce qu'évidemment, dire ça, ça ne répond pas non plus positivement à votre question. OK, bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. Je pense que c'est une question qui est à répondre. On est foutu quoi qu'il arrive, non? Je pense qu'encore une fois, c'est une question qui est difficile à répondre dans l'absolu. C'est-à-dire, je pense que c'est en fonction de chaque pays, chaque endroit qu'on peut répondre à la question. Ce que je sais, c'est qu'au Québec, il y avait eu le compromis historique, ça avait été celui-là. Ça avait été d'avoir des bas frais. Surtout dans l'écosystème nord-américain où les frais sont tellement grands, c'est-à-dire qu'on va accepter de prendre une route différente en Amérique du Nord, d'avoir des bas frais. Et le compromis qui avait été fait de l'autre côté, c'était d'avoir des mécanismes de sélection, ce qu'on appelle au Québec du contingentement pour certaines filières, les filières où la formation est la plus coûteuse, notamment par exemple la médecine, le droit, ce genre de choses-là, il y a eu un contingentement. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Je ne sais pas. C'est vrai que forcément, quand on fait ça, ça tend à surreprésenter les individus qui proviennent des classes plus favorisées. Est-ce qu'on peut compenser ça par un système positif de quotas où on contingente, mais on dit qu'il faut qu'on ait 25% par exemple des gens qui proviennent de telle branche de revenus? Est-ce que ça peut être une manière de compenser? Ça peut être ça aussi, donc mécanisme de discrimination positive en parallèle d'un contingentement. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je pense qu'il faut regarder comment on peut le faire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut dire, à tout le moins, je pense qu'on peut s'entendre sur une chose, c'est que les frais d'inscription, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas une solution, même au niveau de la régulation, parce que ça ne fonctionne pas dans les faits. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais arrêter malheureusement la discussion passionnante ici. Je prendrai Gabriel dans ma prochaine négociation budgétaire, parce que je crois que c'est du bon. La qualité des argumentations qu'il faut. Et je voudrais vous dire qu'on peut poursuivre ce genre de débat par d'autres réunions ou séminaires qui peuvent être effectués dans le cadre de l'IFRIS. Merci beaucoup pour votre présence et à la prochaine en septembre.